Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle course en ligne direction Silverstone pour un Grand Prix en Formula. Alors, faut savoir que la Formula, je n'en ai plus piloté depuis longtemps. Dans Project Cars, donc on va faire un peu de setup avant de partir pour la qualification. Visiblement, ce sera soft au niveau de la météo, pas de problème. On va se retrouver pour une fois pour une course en ligne sans Max, hein, il va pas nous embêter pour une fois, on sera entre nous. J'espère que vous allez bien, j'espère que les vacances se passent bien pour vous, enfin. Allez, on sort de la pit lane pour cette séance qualificative. Voilà, au niveau de la répartition des freins, c'est déjà folklorique. Premier tour rapide de cette qualif. On va voir ce que ça donne. On est un peu gêné avec un garçon devant qui nous bloque un peu le passage. Drapeau vert. On va se faire évidemment embêter. On va entamer notre premier tour qualif. Pas trop de monde devant nous. On va voir ce que ça donne. On va passer en 6 dans le premier S. Il y en a beaucoup qui sont perdus avec ces formules-là. La preuve encore ici. Avec des voitures un peu dans tous les sens. On ouvre le DRS. On profite également du KERS. Attention ici à ne pas trop couper. Petit blocage de roue à le field. C'est pas grave. Ouais, petite instabilité à la sortie ici, on rouvre le DRS. On y va également au KERS. Allez, en 4 ici, on doit pouvoir relancer normalement. Voilà. De nouveau DRS ouvert. On n'a plus accès au KERS. On va retomber en 4 pour le droit de Sto. Et on va conclure le premier tour rapide de cette séance qualif. Pour voir un petit peu où on se situe dans ce peloton. Et on va enchaîner tout de suite avec un deuxième tour et on se met P2. Oh, et on n'a pas fermé le DRS. On n'avait pas fermé le DRS et on s'est fait surprendre. Bon, pour l'instant, nous sommes deuxième sur 23. Beaucoup sont en difficulté. La preuve. Bah écoutez, on va voir à ce stade-ci de la qualification où ça nous place. Il reste 5 minutes. Ça sent bon pour l'instant. Pour une nouvelle tentative, essayer d'aller chercher la pole. C'est fait. DRS ouvert. Le KERS. On referme le DRS, pardon. En deuxième ici, ah, c'est très très compliqué de faire un tour propre. Il y a beaucoup de voitures et beaucoup de pilotes qui ne savent pas où ils vont à peu près. Un peu tardif ici avec le DRS, je vais sûrement être en retard. Et non, une demi-seconde de mieux. Ici, on va fermer le DRS, tomber une vitesse, on passe Cops. Ça va très vite.
Septième avant les enchaînements. Maggots. Beckett. Je perds du temps ici. Et Chapel. On rouvre le DRS. Drapeau jaune à droite. On profite du Kers, nouvelle amélioration. On est à fond de septième. Et attention à ne pas être gêné parce que là on est en train de faire un excellent chrono. Et on va se faire rentrer dedans malheureusement, mais ça ne portera pas trop à conséquence. Juste quelques dixièmes qui se sont envolés. Et la pole pour l'instant. On améliore bien et on va tenter une dernière fois d'améliorer ce chrono de pole position. Pour voir si on peut se mettre à l'abri ou si quelqu'un va venir nous chercher. Et nous ne sommes plus que 20. Ouais, c'est terminé. Après cette erreur, il reste moins de 2 minutes au chrono. Et pour nous, donc, la séance qualificative est terminée. Ici à Silverstone. Et on va essayer de ne pas gêner nos petits camarades. Qui doivent passer en tour rapide. Là, on est un petit peu sur la bonne trajectoire, malheureusement. Mais pour l'instant, nous sommes en pôle. Et il y aura 6 tours de compétition dans cette épreuve britannique. On va voir ce que ça donnera. Mais ça sent bon pour tenter de faire un podium. Et comme quoi, les lobbies ouverts, parfois, il suffit de savoir s'en sortir en qualif et on est pas mal. On ira peut-être pas chercher la pôle. Quelqu'un va peut-être nous battre. On va rentrer consulter les écarts à l'issue de notre run de qualification. Il y en a encore de quoi aller faire un chrono si jamais on se fait battre, en termes de carburant surtout. Et la séance est terminée, il va rester 15 secondes. Et la séance qualificative est terminée et nous partons donc en pole position. À nous maintenant de nous extraire de cette grille de départ qui comptera donc 19 pilotes. Ça risque d'être compliqué. La pole position. Concentrate on the lights now. Let's get a nice clean getaway and hold that pole. Et on s'élance bien. C'est toujours ici que l'on risque de se faire harponner. Et ça se passe bien pour l'instant dans les premiers S. Et pour l'instant, ça se passe bien. On va sortir de Lefield maintenant, toujours au commandement. Avec le DRS ouvert, petit coup de Kers. On va refermer le DRS. Et on soulage pour Cops, mais je sors large. Et je prends une pénalité. Juste parce que j'étais trop large à Cops. Ah là là. Bon, ça va pas être trop compliqué de reprendre la tête de ce Grand Prix. Voilà. On ouvre le DRS à la sortie de Chapel. C'était peut-être un peu prématuré. Coup de... De Kers. Et on va conclure le premier tour en tête. En deuxième. Et ça rentre déjà au box derrière. Ce qui veut dire qu'on ne passera pas la ligne en tant que leader, quoique... Et nous sommes donc en tête maintenant de cette manche de Silverstone. On s'est juste bien échappé.
Et on roule pour l'instant assez calmement. On va pas prendre tous les risques, bien au contraire. On reprend Cops un peu plus calmement. Et ça commence à crouler derrière. On perd encore des pilotes. Et nous ne sommes plus que 13 à l'issue du deuxième tour. Et pour nous, eh bien, pas de menace. Alors, il y en a qui ont été piégés hein, pendant ce Grand Prix de Silverstone. On va pas se mentir, le premier virage aura fait plus de spectacle que la F1 elle-même. Attention, il y a des débris. On va voir si les pilotes sont à même de respecter ou non les drapeaux bleus. Ici un pilote qui avait visiblement perdu une roue. Évidemment, on prend logiquement une pénalité pour avoir évité un pilote à la dérive. Merci Project Cars, gros jeu. Allez s'il te plaît, merci de me relâcher. Et évidemment, le deuxième qui nous revient dessus tellement facilement. 7 secondes de perdu. Parce que le jeu ne sait pas faire la différence entre l'évitement d'un retardataire. Normalement, un retardataire ne doit pas bouger de sa ligne. C'est à vous de vous déplacer. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. Lorsque vous vous faites prendre un tour, surtout ne bougez pas, restez sur votre ligne. C'est au pilote qui vous prend un tour de réussir à vous dépasser. Et la Hunger Straight. Avant d'arriver dans les enchaînements de l'ancien circuit. Pas de voiture en difficulté. On peut donc ouvrir le DRS. Et donc je sais maintenant qu'avec cette voiture en difficulté, il faut faire de son mieux pour ne pas passer à l'extérieur des limites de la piste, sinon le jeu considère ça comme de la tricherie. On ouvre le DRS. Et le KERS. Écart de 12 secondes avec le deuxième maintenant, nous ne sommes plus que 11, on a quasiment perdu la moitié du peloton. Et on repasse un nouveau tour au commandement, l'avant-dernier. Il est rare que des courses en ligne se passent comme ça. Je me rappelle pas d'avoir gagné une course en ligne surtout. Ça remonte à longtemps. Alors là, c'est pas comme si on était 6 en plus. On était 20 au départ. Il y a eu du dégât. Certes. Mais c'est plutôt pas mal. Drapeau jaune dans le deuxième secteur.
Ce qu'il faut surtout éviter, c'est l'accident. On va rester en 3 ici pour soulager un petit peu la mécanique. Voilà. On va rouvrir le DRS. Toujours cette voiture à la sortie de COPS. Voilà, c'était compliqué. C'est exactement ce que je voulais éviter. Elle n'est pas gagnée cette course, hein, à cause des retardataires. Dites-vous ça. L'écart avec le gars derrière, 2 secondes. Comment se faire peur à cause d'abrutis? Voilà. C'est toujours la même histoire. Allez, on réaccélère. DRS, Ekers. Pourquoi je suis repassé ici en 2? C'était pas forcément utile, mais ça me donne une meilleure relance ici. En 4, je suis en sous-régime total. Allez, le dernier virage. Et le pilote derrière moi qui me rattrape. Et qui va essayer de me dépasser. Et qui va m'avoir dans le dernier virage, MDR. Et on va découvrir donc le classement. Et donc visiblement, l'ami qui nous a battu devant nous a été disqualifié. Donc il nous a fait ce qu'on appelle dans le métier une Rosberg. Donc nous avons bien gagné cette course. Chiante à mourir du côté de Silverstone, mais bon, on était les meilleurs, ça change pour une fois. Voilà, c'était une nouvelle course en ligne sur PK. On va en avoir d'autres qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite en piste pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement. À la prochaine les amis, ciao.